Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait deux fois que je vous dis ça en une seule semaine. Moi, je suis très contente de vous retrouver à nouveau ce samedi, j'espère que vous aussi. Après Voyou mercredi, c'est donc au tour d'un humoriste, et pas n'importe lequel vous allez voir, de venir répandre ses bonnes ondes sur la chaîne. C'est un peu paradoxal de dire ça aujourd'hui, j'avoue. Mais pour tout vous dire, on avait tourné cette vidéo dans le but de promouvoir la dernière de son spectacle Dépendance affective, qui devait se jouer le 22 octobre dernier à l'Olympia, puis au théâtre de la Tour Eiffel. Et je vous apprends rien en vous disant que rien de tout ça n'a pu avoir lieu. Je vous apprends rien non plus en vous disant que le métier d'humoriste souffre énormément de ce deuxième confinement, et j'insiste vraiment sur le terme métier, parce que humoriste, chanteur, danseur, comédien, artiste en fait, c'est un vrai métier, et c'est ma manière à moi de leur dire merci. Merci de nous faire rêver, de nous divertir, de nous faire rire, de nous faire penser à autre chose pendant cette nouvelle période de confinement. Voilà, ça fait un peu solennel comme ça, je sais qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur de le dire. Quoi qu'il en soit, je reçois donc aujourd'hui un humoriste pour la toute première fois sur la chaîne, et je suis surexcitée de le dire, parce que si vous me connaissez, vous savez à quel point l'humour et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Celui que je reçois jouera, on l'espère, son tout nouveau spectacle qui s'intitule Irréprochable, à partir de janvier 2021. On croise les doigts très fort, et en attendant, on accueille tout de suite Tristan Lopin. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui chez Tristan Lopin. Yeah ! Incroyable ! Incroyable ! Je suis trop contente parce que vous qui me suivez, vous savez que j'ai humour et musique, mon truc. Il y a eu beaucoup de musique pendant le confinement, et donc tu es le premier humoriste. C'est vrai ? Ouais, à venir ici. Je suis flattée. Moi aussi. Très flattée, je suis très contente d'être là. Alors explique-nous pourquoi tu nous as reçus ici. Bah parce que c'est chez moi et que j'avais la flemme. Non, parce que c'est chez moi que ouais, je savais pas trop où aller. J'aime bien chez moi, c'est mon petit nid à moi, quoi. Ouais, c'est important pour toi d'avoir justement un nid. Alors cette interview, elle parle beaucoup d'attache, d'ancrage, de lieux dans lesquels on se sent bien. C'est important pour toi d'avoir ça? Ouais, c'est important d'autant que moi, j'ai passé 8 ans et demi dans un studio, que j'ai déménagé genre 5 jours après le confinement, donc en fait là mon appart je ne veux plus le quitter. Ouais, j'ai compris. Dire que là j'ai un deux pièces, c'est bon, je ne le quitte plus, quoi. Ça te change la vie. Ouais, ouais, grave, carrément. Et est-ce que justement le fait d'avoir passé autant de temps dans un petit espace, ça t'a permis d'évoluer dans ta carrière, ou ça n'a pas du tout influé? Bah sur ma carrière j'en sais rien, après j'imagine que le décor qu'il y a du coup autour dans mes vidéos, le fait que ce soit un studio, ça permet aux gens de s'identifier plus facilement que si je vivais dans un loft parisien. Dans un truc immense, voilà. Pas chez moi. Comme chez ça. Ça vous avec nous. Après, je sais pas si ça a vraiment un impact. Pour mes vidéos, en tout cas, ça faisait un décor sympa, je pense. Toi, t'es un parisien pur souche. Ouais, je suis né à Paris. Je suis un vrai connard. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est moi qui le dis. Est-ce que t'as d'autres attaches maintenant ailleurs qu'à Paris, ou bien c'est ici que tu te sens mieux? New York, Los Angeles. Non, en vrai, moi, c'est vraiment Paris. Mes parents vivent à Paris, mes soeurs vivent à Paris. Non, j'ai vécu un an à New York, c'est vrai, mais ça ne devient pas un point d'attache pour autant. Tu as écrit la plupart, donc, du coup, de ce que tu as fait dans ton autre appart. Est-ce que tu as commencé à écrire un peu ici? J'ai commencé à écrire pour le prochain spectacle. Et dans l'autre appart, ouais, j'ai écrit. J'ai écrit l'ancien spectacle, j'ai écrit toutes mes vidéos, tout ce que j'ai produit depuis le début de ma carrière. Ça a été produit dans l'ancien appart, donc ouais, il était chargé. C'est pour ça aussi que je voulais le quitter, c'est parce qu'à un moment donné, il était vraiment chargé de trop de... C'est là que je vais en venir, merci, tu fais mon taf, c'est trop bien. Est-ce que ça a été difficile pour toi de quitter cet ancrage justement dans lequel tu as vécu une grande partie de ta carrière maintenant? Ça a été difficile parce que oui, on s'attache toujours beaucoup aux appartements, etc. et que j'y ai vécu des histoires d'amour notamment. Et que du coup, il y a beaucoup de souvenirs dans ces lieux-là, et en même temps, j'étais arrivé à la fin d'un cycle, je crois. J'ai vu ça avec ma psy, et ouais, je pense que c'était le moment aussi de bouger un peu et de, du coup, de changer d'appart, changer d'énergie. Puis voilà, c'était le moment où je savais que j'arrivais à la fin du spectacle, et du coup, je pense que c'est assez logique aussi de changer d'appartement, de changer de... Enfin, je dis pas que pour écrire un spectacle, il faut un nouvel appartement, mais vu que je voulais dans une autre dynamique, je me suis dit, en vrai, tout s'imbrique plutôt pas mal, quoi. Et alors justement, dans Dépendance affective, tu parles beaucoup de toi, de ce que t'as vécu, des ruptures, etc. Est-ce que ça a été aussi une manière pour toi de débarrasser un peu de ça? Le spectacle? C'est difficile d'arriver sur scène et de
Et de se livrer complètement, peut-être. Ouais, mais alors après, je pense que j'ai réussi à le faire et je l'ai fait parce que j'avais déjà digéré cette fameuse rupture dont je parle dans le spectacle. Mmh. J'aurais été dans cette espèce d'énergie de tristesse. Je pense que j'aurais eu du mal à le jouer, alors que là, je le jouais, mais plus comme si c'était le mois d'avant, en fait, avec un peu de recul et de second degré, quoi. Vous avez déjà laissé tes bagages. Ouais, puis même tout ce que je fais sur Instagram, etc., de rupture amoureuse, de plan cul foireux, enfin, ce que j'ai fait, c'est souvent des trucs, en fait, qui soit me sont arrivés il y a hyper longtemps, soit me sont même jamais arrivés, en fait. Enfin, oui. Les gens, souvent, ont tendance à dire, ah, putain, t'as une vidéo, je suis là, j'ai trop pas de vidéo, juste, j'invente des trucs qui ont pu m'arriver. Mais non, je pense que pour être drôle, justement, il faut avoir digéré les trucs et avoir pris de la distance. C'est intéressant que tu dises ça. Et justement, on arrive à ton deuxième spectacle qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou c'est encore un peu secret? C'est un peu secret. Non, en vrai, je suis en cours d'écriture, donc je vais pas mentir, le produit n'est pas fini. Ouais. Mais c'est plus noir, en tout cas, que le premier. Ça parlera beaucoup, je pense, de névrose, de ce genre de choses, mais je crois que ça parle à beaucoup de gens aussi. Je crois aussi, ouais. Ça sera un ton plus noir. Mmh. Toujours avec une énergie assez solaire que je crois que j'ai. Les oreilles vont céder un peu plus pour le premier. Oh là là. Et il y a quelque chose aussi qui me frappe, c'est que tu te laisses aucun répit. C'est-à-dire que tu joues à l'Olympia le 22 octobre, donc c'est une des dernières. Après, tu reprends direct en janvier 2021 avec un nouveau spectacle, si tout va bien. Ouais. Tu ne prends pas de vacances? Je prends rarement des vacances, en vrai. C'est une dynamique. Ça fait un moment que je joue ce spectacle-là. J'avais envie d'écrire autre chose. On m'a dit, bah, sur la dynamique, c'est cool de bondir aussi sur le succès du premier et d'enchaîner avec le deuxième. Et il s'avère que moi, j'avais des idées, quoi. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu d'idées du tout, je ne me serais pas lancé dans l'écriture d'un spectacle. Ouais. Mais non, je prends pas... J'ai des parents qui bossent beaucoup et qui ne prennent pas beaucoup de vacances. Et quand je prends des vacances, que je fais rien, je me sens assez inutile. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très simple. Non, je ne sais pas non plus, mais je suis pareil. Donc je ne vais pas te jeter la pierre. Mais par contre, ça m'amène à une question qui je pense... tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que du coup, le spectacle, le monde du spectacle, l'humour, etc., c'est ça ton ancrage à toi. Ah ouais, je pense que c'est thérapeutique aussi, ouais. C'est que ça permet... Moi, là, c'est un truc dont je parlais avec ma psy, je disais, putain, mais le plus gros... Moi, ma plus grosse crainte dans la vie, de manière générale, c'est que les gens me jugent et je me retrouve à jouer pendant 1h30 devant des grosses salles où les gens clairement me jugent, en fait. Ouais. Donc oui, c'est très thérapeutique. Après, c'est une source d'angoisse énorme de jouer. Mais une fois que je suis sur scène et que ça se passe bien, et ben ouais, c'est un gros kiff. Donc, Et est-ce que même après tout ce temps, t'es toujours aussi stressée qu'au début? Ah ouais, c'est genre un petit crevé à chaque fois que je monte sur scène, c'est un enfer. D'accord. Ouais. T'as pas cette peur-là avec les réseaux sociaux? Ouais, mais les réseaux sociaux... Ça a tellement été violent au tout début que déjà maintenant ça l'est moins, je trouve, où je lis moins les messages, où je le vois moins. Et en fait, ça j'ai réussi à prendre de la distance avec. Donc, enfin oui, si je reçois un message hardcore, ce qui m'arrive encore. En général, il y a 10 minutes à 15 heures pendant lesquelles je suis genre un peu tendu et puis après je dis bon bah voilà, je sais pas, c'est autre chose, quoi. Ouais. Donc ça te stresse moins que monter sur scène, un escalier avant une scène, quelques minutes avant. Ouais. Ah ouais, bah oui, parce que la scène, si jamais les gens rient pas au moment où moi je sais que c'est censé rire, c'est compliqué. Mmh. Alors qu'à la limite, si quelqu'un rit pas de chez lui à ma blague sur Instagram, bah... Ouais, tu vas pas le voir. Non. Mmh. Mais il y a des gens qui pensent qu'on est sur Skype, hein. Enfin dans la rue, des gens qui me disent « Ouais, on se connaît ». Oh, je regarde tes vidéos sur Instagram, mais je suis là, mais en fait, du coup, moi, je vois pas quand tu vois les vidéos. Je sais pas que tu me connais, mais si toi, tu me connais, c'est déjà pas mal. Oh, c'est étrange, ouais. Ça. Ouais, les gens... On m'a jamais dit ça. Bah non, mais les gens sont cons parfois. Bah écoutez, vous avez entendu. Certains. Certains, pas tous. Merci beaucoup de nous avoir invités chez toi. Vous le voyez pas, mais avec ce petit chat trop mignon. Oui, il y a Gento juste là. Oh, oui. Je suis ravie que tu aies été le premier humoriste sur cette chaîne. Eh bah tant mieux, je suis flattée. Ah, tant mieux. À bientôt tout le monde, salut. What's up, Thérèse?